Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale. Je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Dans le cadre de mon partenariat avec la boutique lascraperie.fr, je vais réaliser un album photo et avec la collection Fortune de chez Stamperia. Et je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu comment je m'y prenais pour créer un projet, comment je commençais, voilà, quel était le point de départ et un petit peu comment ça s'organisait dans ma tête en fait. Donc déjà, eh bien, il faut déjà que la collection de papier m'inspire, que je la trouve très jolie, que les cartes par exemple me parlent dans les motifs. Qu'elle est quelque chose en fait, que j'ai un coup de cœur pour les papiers. J'aime beaucoup les papiers en général. Et donc ici, j'ai craqué pour cette collection-ci. Alors, une fois que j'ai mes papiers de base et les papiers de fond, je choisis mes cardstocks qui vont aller avec. Je regarde mes embellissements et là, je vais commencer par noter des mots-clés. Par exemple, ce papier, Égypte. Donc, il va m'inspirer plusieurs choses. Donc, les mots-clés pour moi sur ce papier-là, Égypte, ça va être par exemple les pyramides, les papyrus, les chats. Voilà. Donc, ce sont des mots-clés que je vais mettre sur un petit papier. Ensuite, pour la collection Fortune, par exemple, eh bien, pour moi, c'est les mots divinatoires. Voilà, ce sont mes mots-clés. Potion, élixir, puisqu'on en a. Quoi d'autre? La boule de cristal, évidemment. Les cristaux, parce que tout ça, c'est dans le thème de ces papiers. Donc moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je note sur une feuille tous les mots-clés qui correspondent à ces papiers et qui m'inspirent. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais noter ce que cela m'inspire. Alors, par exemple, dans le mot pyramide, eh bien, pour moi, ça va m'inspirer un album en forme de pyramide. Alors, je vous en avais déjà fait un qui était pas déstructuré, mais qui était plus original que l'album pyramide classique, par exemple. Eh bien, cette forme d'album pyramide va être mon point de départ pour créer un album avec les papiers sur le thème de l'Égypte. Ou alors, je vais créer une petite pyramide qui s'ouvrira en pop-up sur une page. Après, ça m'inspire aussi les papyrus. J'avais des feuilles de vrais papyrus, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. J'ai tellement bien rangé les choses, tellement bien emballé, que du coup, je ne sais plus où j'ai mis ces feuilles-là. Donc, j'aurais pu utiliser aussi du vrai papier de papyrus. J'aurais intégré dans mon album. Le mot chat, eh bien, hormis qu'il soit vraiment extrêmement beau, dans l'immédiat, il ne m'inspire rien. Rien. Sauf qu'il soit vraiment très très joli. Bon, c'est pas grave, hein, on met des mots et puis il y a des choses qui sortent ou pas. Alors, sur le papier fortune, par exemple, pour le côté divinatoire, eh bien, ça va être, voilà, divinatoire, ça va être mon mot. Potion, élixir, alors boule de cristal, cristaux, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc, du coup, dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça m'inspire? Eh bien, par exemple, divinatoire, ça va être les jeux de tarot, la roue de la fortune. On a des cartes, voilà, on a tout ça dans ces papiers-là. Ça va être pour les potions et les élixirs, ça va être le grimoire, ça va être les fioles, les petites fioles en verre avec les potions. Pour la boule de cristal, ça va être le globe. Donc, je vais peut-être mettre un globe par-dessus la boule de cristal, vous voyez, pour donner un effet plus 3D et un peu comme un style shaker aussi. Bon, ça, c'est une idée aussi, on va dire, dans la deuxième phase, qu'est-ce que ces mots m'inspirent? Et bien, pour la boule de cristal, ça va être le shaker en forme de globe. Ensuite, dans un troisième temps, donc au niveau de l'articulation de l'album, comment je vais articuler mes pages, et bien ça va être par exemple pour le divinatoire, ça va être des pages pivotantes.
puisque il va y avoir des surprises, des cachettes, enfin voilà, on est dans le secret un petit peu, donc ça va m'inspirer des pages pivotantes, ça va être la base de mes pages d'album par exemple, ou alors ça va être eh bien pour la comment dire, pas la roulotte mais le stand de la cartomancienne, eh bien ça va être une petite tringle à rideaux avec des rideaux, et là je sais que j'ai envie de faire bouger le rideau pour pouvoir l'ouvrir et voir ce qui se cache derrière. Donc voilà, un côté un petit peu théâtral, une structure de théâtre aussi. Donc voilà ce que ça m'inspire. Pour les cristaux, eh bien ça va être les pierres semi-précieuses, les pierres précieuses, à chercher dans nos embellissements, en fait réaliser des embellissements avec ce thème-là. Ensuite, il y a aussi la table, le guéridon qui est rond dans la tente de la cartomancienne, par exemple. Donc là, on a des choses qui sont rondes dans les embellissements aussi. Donc ça peut être un support de la table, voilà, de la cartomancienne. Ensuite, voilà, donc ça, c'est pour les idées et la structure de l'album. Et après, dans un quatrième temps, on va réaliser des embellissements. Alors évidemment, on a tous ces embellissements, mais ce qui est bien, c'est de faire des petites choses qui vont décorer en plus l'album. Alors moi, je sais que je vais vous faire par exemple des mini boules de cristal avec des perles. Donc ça, je vous ferai un petit tuto, juste embellissement, plusieurs embellissements pour cet album-là, ça fera partie d'une autre vidéo. Ça va être par exemple des petits cadres avec des images vintage à l'intérieur, des petits bougeoirs, chandeliers, des petites fioles décorées, voilà, des choses comme ça qu'on pourra rajouter comme embellissement. Et dans un cinquième temps, je collecte le matériel que je vais avoir besoin, ce qui va être assorti et dans le thème de cet album, pour pouvoir les utiliser ou pas, en fait, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais dire, ben ça, je peux le prendre, ça va avec, ça, non, finalement, je ne le mets pas, enfin, voilà. Donc, au départ, quand même, je collecte mes choses. Par exemple, ben, j'ai un ourlet de pantalon en velours dans une couleur rouge bordeaux qui pourrait aller avec le rideau de la cartomancienne. Donc, je garde ce petit bout sous la main. Ça va pouvoir me servir, peut-être. Après, ben, j'ai quoi? J'ai des aiguilles de chez Timolz. Peut-être que ça va me servir pour la roue de la fortune. Ensuite, des petites dots dans les tons. J'ai encore des fleurs que j'avais utilisées pour le kit de l'album Alice au Pays des Merveilles, qui sont dans des tons un petit peu vintage. Ça peut aller avec. Qu'est-ce que je vais collecter encore? En plus des papiers, par exemple des nappes en dentelle. Là, pour aller avec ce die-cut-ci, eh bien j'ai du bleu et du blanc dans des tailles différentes. Alors je les garde de côté. Peut-être que je ne l'utiliserai pas avec ceci, mais que ça me servira à faire la nappe de la table du guéridon, par exemple. Donc ça, je le garde de côté aussi, sous le coude, vraiment. Après, je vais garder mon ruban vintage fait main que vous pouvez trouver dans ma boutique. Ensuite, il s'accorde très bien, vous voyez, avec les éphéméras. Voilà, donc ça va être des embellissements qui vont me servir pour créer cet album. Ça va être les encres, par exemple. Là, j'ai sélectionné la vintage photo de chez Distress en oxyde, elle est plus claire, et la classique qui est plus foncée, et la couleur jean délavé, parce qu'on a ce bleu un petit peu cassé qui peut aller avec. Alors après, ça dépend de ce que je vais utiliser. C'est pas dit que j'utilise les trois. Mais au moins j'en prendrai une, c'est sûr, pour mater les papiers ou les embellissements. Ensuite, qu'est-ce que je peux utiliser? Eh bien, j'ai fouillé dans mon bric-à-brac. Alors, j'ai trouvé par exemple des petits cadres que j'avais faits en petit plâtre et que j'avais doré. Ben là, peut-être que je vais les vieillir avec l'encre et que je vais les faire une petite teinte qui va s'accorder avec les papiers pour décorer la tente de la cartomancienne, par exemple. J'ai des petites fioles, donc je les mets de côté. J'ai un bouton comme ça de poignée en verre de chez Timolz. J'ai des petites choses qui me restent comme ça en ferraille.
des petits bidules, tout ça, ben, je vais les garder puisqu'ils sont dans les tons. Et peut-être que je les utiliserai ou peut-être pas. Donc tout ça, déjà, je fais ma petite sélection des petites choses que j'ai dans mon atelier. J'ai des petites étoiles là qui étaient de chez Prima Marketing, je crois. Elles sont super jolies. Et bien ça, comme on est un petit peu dans le thème espace au-delà, ben, je peux, par exemple, les peindre ou les patiner. Ça peut me servir pour la déco de l'album. J'ai des petites étiquettes en métal comme ceci. Avec des vis, qu'est-ce que j'ai, un petit fermoir, des petits cadenas de chez Craft Consortium avec des petites clés. J'ai un petit ciseau aussi, petit ciseau en métal, des petites poignées. Alors je ne sais pas si j'utiliserai tout ça, mais voilà, toutes ces petites choses en fer, j'ai une grosse aiguille, hein. Eh bien je vais garder une plume aussi, des plumes anciennes. Eh bien tout ça je le mets de côté. Et au fur et à mesure que j'avancerai dans l'album, ben je piocherai dedans. Alors j'ai ça, et par exemple, j'ai des petites perles en métal de bijoux, d'embellissement, vous voyez, des petites choses comme ça, que je vais pouvoir réutiliser. Qu'est-ce que j'ai? Des petits diamants iridescents, comme ceci, que j'avais eu il y a 2 ans, 1 ou 2 dans la boutique. Vous voyez, donc ça peut-être que je les mettrai dans les fioles ou dans la boule de cristal, je sais pas. J'avais aussi ces petites boules qui servent de boules de Noël, mais de charme, puisqu'il y a une petite attache dorée. Mais là, je pourrais l'utiliser, par exemple, juste comme ceci, pour faire une boule de cristal en relief, vous voyez, dans le petit théâtre. Alors bon, tout ça, ce sont des idées que je collecte et que je garde de côté. Et au fur et à mesure que j'avancerai dans l'album ou que j'aurai envie de réaliser des embellissements, eh bien, je piocherai dedans. Et là, je sais que j'aurai apporté ce que j'ai besoin. Voilà pour les embellissements. Et une fois que j'ai tout ça, eh bien, j'allais dire, c'est parti. Je peux commencer à créer ma couverture d'album, mes pages, à voir comment je montais ça. Alors je vous ai fait un petit récapitulatif quand même, voilà, que j'ai noté, donc sur la collection Fortune. Bon, je sais que vous pourrez la prendre en photo pendant la vidéo. Alors, je vous ai mis, eh bien, le titre de la collection, les mots qui m'inspirent, par exemple pour l'Égypte et le papier Fortune, eh bien, ce qui m'inspire pour l'Égypte, comment je vais l'articuler. Voilà, 1, 2, 3, troisième étape. Pareil pour tout ce qui est Fortune. Réaliser les embellissements, collecter mon matériel, c'est parti. Et des petits croquis. Par exemple, j'ai envie de réaliser une couverture d'album avec du carton gris bien costaud, en faisant un petit théâtre, enfin comme un petit théâtre avec les rideaux justement, et puis une petite scénette avec la table, la boule de cristal, voilà les petites choses qui vont être en relief comme ça. Et puis je me suis dit pourquoi pas mettre un double fond derrière et faire quelques cartes cachées à l'intérieur, ou par exemple je pourrais faire des trous sur les onglets comme ça et mettre des petites chaînes avec des petites breloques qui ont un raccord avec le thème. Et derrière, alors ça c'est ma couverture, la première de couverture, et donc il y aura un double fond. Enfin, ça c'est ce que je prévois de faire. Après, je verrai en faisant au fur et à mesure si c'est possible ou ce que ça donne. Et après, derrière ça, il y aura quand même une couverture, une tranche avec encore des pages. Voilà, ça peut être, vous voyez, mon double fond ici. Et les pages ici de l'album. Il pourrait s'ouvrir comme ceci, de droite vers la gauche, par exemple. Ici, j'ai fait un petit croquis de page pop-up pour la découverte. Ou alors, genre, une carte, je dis on peut l'utiliser pour la carterie, mais là, on le ferait en plus grand pour faire l'album. Eh bien, on ferait une page, un bloc de page tunnel. Voilà, avec des ouvertures pour voir ce qui se passe derrière et avoir une,
une super perspective, vous voyez. Voilà, ça, ce sont plusieurs idées que j'ai notées. Et ça va être ma base, en fait. Ça va être ma base. Donc, au départ, je regarde ce qui me plaît dans les papiers. Je marque mes mots-clés. Ensuite, je note en deuxième temps ce que ça m'inspire. Dans un troisième temps, comment je vais articuler mes pages ou mes couvertures. Dans un quatrième temps, réaliser mes embellissements. Et en cinquièmement, collecter mon matériel. Et sixièmement, c'est parti! Youpi! Voilà! Donc maintenant que vous savez tout ça, et bien en fait, je fonctionne comme ça pour tous mes projets. Maintenant que vous savez tout ça, et bien je vous dis que vous avez aussi sur la boutique scraperie.fr, donc 20% de remise des 30 euros d'achat avec le code Brigitte20 en majuscule sur toute la collection que je vais utiliser, Fortune et les papiers craft. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo de déballage du colis. Donc, vous savez déjà tout. Vous pouvez retourner voir la vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la vidéo précédente. Mais surtout, je vais vous mettre le lien de la playlist de cet album qui s'appellera Album Fortune. Dans cette playlist, vous aurez toutes ces vidéos-là, la vidéo de présentation, la vidéo de colis, d'ouverture du colis, cette petite vidéo de réflexion sur comment j'organise ma réflexion autour de l'album, et tous les tutoriels de cet album, ou s'il y en a plusieurs avec cette collection, je les mettrai là-dessus, dans cette playlist-là. Voilà, ce sera la playlist Album Fortune. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Vous serez informé des nouveautés et allez aussi sur le blog scrapmerveilleux.com. C'est là que je vous mets aussi l'actualité de ce que je réalise. Eh bien, voici pour aujourd'hui. Cette petite vidéo est terminée. Eh bien, j'espère qu'elle vous sera utile pour d'autres albums. Et en attendant de nous retrouver pour que je vous présente l'album terminé, avant de le réaliser, eh bien, je vous dis à très très bientôt. Merci!